messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission, bonjour. Aujourd'hui, la Sainte Ingrid Kabongo, heureuse de vous savoir face à vos écrans pour une émission à caractère culturel. Nous recevons un artiste peintre du nom de Pello Lemba. Il va exposer le 24 juillet jusqu'au 3 août à l'Académie des Beaux-Arts ici à Kinshasa et il nous fait l'honneur et le plaisir de venir pour nous montrer toutes ses œuvres. Alors rendez-vous compte, hein, derrière tout ça, c'est bien lui qui l'a réalisé. L'Académie des Beaux-Arts, il a sillonné le monde entre la Tunisie, parti jusqu'au Canada, et aujourd'hui en Angleterre. Tout ça pour votre plaisir. Il y aura 26 portraits, dont la Sainte Ingrid Kabongo, représentés parce qu'il a décidé qu'il ne ferait que les personnalités. Effectivement, les personnalités, c'est un comportement, c'est une manière d'être, une manière de vivre. Et c'est dans Entre nous, sur Kong Web Télévision et sur Ingrid Kabongo TV, qu'il a décidé d'en parler. Restez connectés, restez branchés, ça commence maintenant. A tout de suite. Bonjour. Bonjour, la Sainte. Comment allez-vous? Pas plus que vous, j'espère. Écoutez, apparemment, visiblement, plutôt, vous, ça va bien. Oui, très bien, très bien. On nous a dit alors, Batnio Soto Batalabiso, na joli cadre de Tosan, nous 5 étapes présentées. Babi Ingrid, les Yoyinda. Je me suis dit, pourquoi Yoyinda? Ils me disent, mais parce que jamais on a vu ce plateau aussi bien décoré. Comment allez-vous? Je vais très, très bien. Des plateaux bien décorés parce que on vient chez la Sainte. Est-ce que il faut faire des choses. Bon, qui chasse à tout le monde la vérité. Est-ce que Penza, nous sommes à Kamaboko na Yoto. Et ça m'a beaucoup nangai. J'ai d'ailleurs toutes les photos, tous les détails de la toile blanche vierge, étape par étape jusqu'au point final, jusqu'à la signature. Alors j'ai été très impressionnée. J'aimerais vous le dire, hein, j'ai été très impressionnée, c'est de me rendre compte que la photo est limite à l'identique de la photo initiale que j'avais moi-même envoyée. En tout cas, j'aimerais d'abord vous féliciter au nom de mon équipe, au nom de Entre nous et au nom de ma chaîne, bien évidemment, Kong Web Télévision. Merci. C'est un travail de dur labeur, j'imagine. Alors, ça a commencé d'abord sur le sable, ensuite graffiti. Cette passion vous vient, où finalement, vous dites, vous avez toujours dessiné. Est-ce que c'est possible? Ok. Babotamaka, artiste. Parce que Muto Tobengi, artiste, au fait, il ne devient pas avec le temps. Bon, on peut s'efforcer, mais si on arrive à s'extérioriser complètement ou parfaitement comme artiste, c'est qu'on avait déjà. Peut-être on n'avait pas découvert, quelqu'un nous a juste boosté un peu pour découvrir ce qu'on est en soi, pour extérioriser ce talent-là. C'est comme je t'ai dit, dès qu'on est plus petit, on commence à faire des dessins par terre, comme tu l'as dit. On a une grande sœur au quartier qu'on appelait Yaya, qui joue le rôle d'une maîtresse. Ouais. Et vous êtes 3, 4, 5. Là, il vous met comme ça. C'est tout quand il pleut. Hein, le sol est bien. Et humide. Et quand on dessine, ça crée un peu. On souffle pour enlever la terre qui. Okay. Et moi, j'étais parmi les meilleurs. J'en ai parlé beaucoup. Il me mettait comme 9,5 sur 10. Oh, yo, yo, mets-moi 10. Non. On a dessiné, on va appeler ça à 10 sur 10. Il n'y a pas la perfection. Bon, après, dans l'école, c'était pareil. On a redessiné, tant mon sou, on a redessiné l'eau, on a tableau, soit une messa, soit une tabac. Moi, maîtresse, je suis déjà 10 sur 10. Non, 9 sur 10. Et puis, on a besoin de créer dans la salle, on a tableau. Par exemple, j'ai dessiné un poulet, un coq. J'ai dessiné au tableau. Tous les autres, ils font. Je reviens à la maison, les autres qui n'ont pas bien fait, ah, moi, j'ai pas bien fait, fais pour moi. Dans la salle, il est bon. Donc, c'est pour répondre directement à ta question, tu es citoyen. Bien sûr. Citoyenne sainte, c'est pas évident. Hein? Je pense que vous me les pardonnerez. Donc, vous me sentirez un peu plus proche de toi, donc on te tutoie. C'est ça. Donc, je faisais ça et j'aidais les amis et tout. Donc, je suis né artiste. D'accord. Mais j'ai travaillé beaucoup pour arriver à ce niveau-là. Parce qu'on est et on grandit. On n'est pas grand. On est, on grandit. On a un talent, on perfectionne. On s'instruit avec la curiosité, on apprend. D'accord. Il y a un lobby, on a voyagé, même en Académie des Beaux-Arts. Je suis allé en Europe, à l'Académie des Beaux-Arts à Tunis, par exemple. Ce n'est pas l'Europe, mais l'Afrique du Nord. J'arrive à l'Académie, oui, bah, moni, on a déjà qualifié.
Ok, Nabi, mais je vais étudier encore. Non, bon, on a besoin d'un professeur. Pour... Professeur, il y a peinture, il y a moins d'empêchement. Bazou, il y a un peu ça sur courant. Donc, okay. Ouais, j'ai appris beaucoup, mais je me suis fait petit. Partout où j'ai passé, je me faisais petit pour apprendre. Alors, voilà les parties Mingi Togo exploité. En venir, mais d'abord, on va entrer dans la partie Nabiso. Grandi à Kinshasa, au lobby qui est au Botami Nayango déjà, enfin, grandi au Congo, né grandi au Congo. Au Congo, oui. Au Botami, déjà au lobby qui est en fait aux années artistes. Quand tu as mis à Batoubouni la famille? Nazaki, troisième. Oui. J'ai une sœur Nabiso est née, elle nous a déjà quittés. Après, grand frère dans la compagnie, il y a maintenant ça en maths physique. Les gens qui ont poussé à dessiner, ils ont dessiné, ils ont dessiné. On est dans le dessin scientifique. Dans la cour, les gens qui ont poussé à brouiller, ils ont bambé l'eau, tu vois. Ils dessinaient bien, moi. Ah, dans le tas, là, mais bon, si j'ai fait ça. Après, lui, c'est moi. D'accord. Après, moi, c'est mon petit frère Sende, Nestor. Après, il y a Manyanga. Après, il y a Yamon. Et la dernière, Bibi Chpelo. Ah, bah, ça, ah, ouais. Okay. Donc, tu as acquis 7. Mais la grande sœur nous a quittés, Totikali, 6. Donc, 3 messieurs avant et puis 3 filles en arrière. Voilà. Alors, dans quelle ville précisément? Nabote, on a quitté, en fait. Mayumbu, Wanambora, Nabiso. Et justement, en grandissant, quand vous étiez de Kosa Koli plutôt, voilà, en grandissant, Nathieu, on avait 13, 14 ans. Déjà, à cette époque, tu as aspiré Kosa Moussani. Dans tes rêves, tu te disais un jour, j'aimerais devenir quoi? Tu vois, quand on est petit, on a toujours des rêves. Un rêve d'enfant. Nous avons maintenant l'ingamingi, devenir un pilote d'avion. Ok. Parce que mon avion, c'est les calicolo. Tout le monde est en Boeing. Boeing, pour ne pas faire la pub à l'américain. Ah, Boeing, je suis en train de faire ça, Nicolo. J'aimais bien être pilote ou médecin. Bon, les métiers souvent les plus convoités. Oui, médecin. Parce que je voyais Moutouaza malade. Médecin, la façon dont ils prennent charge, il y a vie, c'est comme si, comme il y a moi responsable, il y a vie. Tu viens avec une maladie ou une infection, quelque chose, mais ils doivent te remettre en santé. Donc, normalement, on a un métier mon noble. Et à l'école, nous avons pointé visiblement, nous avons la vérité. Ah, exemple. En tout cas, si tu as un camarade, tu as un camarade en Hollande, le fait que je voulais devenir médecin, je me casse la biologie, la chimie. Ok. Dans une anecdote, en quatrième année, à l'Institut Pungu, on avait un professeur de biologie qui s'appelait Misu Opel Obial. C'est pas Bunda, mais c'est comme un moment bizarre. Namogo biliaire. Biliaire, il est venu après. Dans la biologie, il y a des notes, il y a bien la chimie. Tant que nous avons commis en cinquième année, après ça, il y a examen à la fin de l'année. Examen, on a allé. Sur mitose. Question moi là sur mitose. Tu vois une mitose, c'est une cellule qui se divise en deux. Oui. Mais meiose sera quatre. Alors après à ça une question moi au piège, mais une question simple. Si une cellule fait une mitose par jour, après 7 jours, il y aura combien de cellules? Bah moi ça nous va monika ka ah mitose c'est 2 donc en 7 jours ça sera 14. Mais hier le professeur Billière quand il a composé la question, il a dit au préfet il y a une question où il y aura un peu l'homme dans les autres. Il y a 127 cellules. Non, 164 cellules, pardon. Mitose, parce que premier jour, il y a 2, deuxième jour, il y a 4, troisième jour, il y a 8, quatrième jour, il y a 16, 32, 64, 128. Septième jour. Je ne sais pas si il y a un peu de temps, il y a un tableau, il y a un peu de temps, il y a un examen, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a 2 exposants 7. Oh, comment ça? Tu es un prof, il y a 2 exposants 7. Après, la question du papier, les rabbins ont composé que ce soit un préfet, c'est Pélo qui va trouver ça. Donc, nous attendons sur la classe, nous avons une facilité, nous avons un point de collègue, 10 points de plus, plus nous avons un examen, à l'équipe. Et du coup, cette passion, alors, au-delà de. Au-delà de. Donc, nous avons un maths et tout ceci, cela. Et ta relation avec les camarades, puisque ta passion est banée comme on a déjà mis sur bateau, comment ça se passe avec les amis? Très bien. Et bah nous, c'est un peu ma portrait. Mais oui, déjà, l'époque, ma portrait, mais l'air, moi, tout ça, moi, pas défaut. Parce que, comme j'ai dit, on est et on grandit. On apprenait. Mais dans Pungu, on a place dans Tangi, tout ça qui dessin, examen, moi, il y a dessin à la fin de l'année, on a dessiné façade, il y a institut Nabiso. Préfet, a eu un cadre, on a crayon.
à Tiana Bureau. Je ne sais pas ce que c'est ce soir. Ouais. Donc, partout où j'ai passé, tout ça, l'examen d'État, Nassoa, Batouni, Nakati, Tozagi, ba 6e Nyon, Soubayaki, de partout, en fait. C'est quoi, inspecteur à Touni, Nanabi, qu'on dessine, Batou, Bakrié, Pélo, Babé, Nanga, de best. Pélo, best. De best, c'est mon ami. Ah, ça, qui peut gêner la télé. Et puis, si on dessine, Bissot, Nyonso, na kati ya salle où on est aux aboyés, na ba façade ba ni Nyonso. Donc on me prenait toujours des modèles partout. Pour partir. Na ba salle, j'étais très très connu. Après l'obtention du diplôme d'État, dites-nous un peu comment vous faites du coup pour vous orienter, puisque comment les parents, quelle orientation vous choisissez? Après le diplôme d'État, mes parents, bon, ils menaient une vie modeste. Papa Nazaki, agronome. Maman, bon, une femme, Alinaosane Bilanga. Alors, na kikuit, c'est na ma compagnie Ming. Tu sais, na Silfo Industrie, Amato Frère, Groupe Orgaman, tu sais, na Géopal, na ba ONG, na Oxfam, ba Fondation Damien, ba USAID. Alors, tant au classe, d'abord, avant classe ici, là, na zai graphiste. Comment la boutique à Batou, dessiner la façade d'un magasin. Na banaye déjà avant la salle d'examen. Parce que le monde a. Maman, tant dans la classe, on a aussi avoir bêtise. Au moins, on dessinait plus dans la deuxième CO, on a dessiné un professeur, comme à la table, on a quitté ses pantalons. Oh. Ah, va punir, on a bien gagné la classe. Donc, on a dit que nous avons promis à nos parents. Mais l'air, ce qu'on a bandit au salle, à Moussala, Mbongozo, Yananda, au moins, on a sec à foufou, yes, comme si on a soutenu. Alors, Moussala, on est absorbé, il y a tellement de gens qui ont été dans le quartier modeste, quand il y a froid. Comment on a vu Mundele à Yetinandago? Mundele! Bah, il y a un Nandago. Allez. C'est qui ça? Voilà, c'est moi quand même. Quartier, bah, donc, pas quand on fait un quartier, on va aller, Johan, attends, sur ma côte, ça y est, dans ma Rose Croix, tout ma côte, dans ma Lions Club. Comme on a Mundele, on a un nom sur qui coûte, bah, ça y est, Mingi, bah, à se filer dans Lions Club. Bah, aussi, ça fait, tu bois, bah, Benka, Bango, Bango, les seuls noirs, n'a rien, n'a rien, n'a rien, John Sangassam. Il y a tant en Belgique, à la quoi gérer un restaurant à Papa Nabango. Dans l'hôtel de la vallée, où on a des noirs. Je suis en train de gagner confiance en fait. Quand on a eu le matériel, on a travaillé les restes, je rends. D'accord. On a tout quelle sorte de. Dis comment. Je suis en train de faire le matériel et de garder. Moi non, j'ai fait un devis. Un devis, tout ça, un peu plus. Parce que mieux vaut que l'éthique là, que aux Zanga. Sur l'éthique, il y a une zone ici. Il y a un petit solo, il y a un petit solo. C'est comme ça que j'étais vraiment célèbre. Après, on a dit non, 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 il faut qu'il y ait des beaux-arts. Voilà, vision kin. Vision kin, on a dit non, il faut destination beaux-arts. Pour Guy Moboti, Azaki, frère, il y a un mot, il y a un mot qui quitte. Si on a dessiné, il y a un mot, il y a un mot, Talia, Abeti, mais langage, courant, il y a ça. Abeti, si tu as assis, donc, les gars, il y a un mot académie. Après, on a eu Bagazan Académie des Beaux-Arts, on a eu 93 ou 93, on a eu l'Académie des Beaux-Arts. 1993, il prend la décision de venir. Et est-ce que déjà à cette époque, vous saviez qu'en prenant cette décision, vous saviez que vous voudrez que être artiste peintre soit votre métier? Oui. Là, tu vois, la vision d'être pilote ou médecin, c'est fini. Mais cala. Dans mon idée, moi, quelque chose, je suis quand même, on a dit bon. Écoute, ça, la coûte une exposition. La salle exposition, la coûte une cercle. Trois tableaux. Bah, il y a un peu de commande, directeur de la Banque Centrale, monsieur Bivekete, Azaki, coordinateur à Oxfam, médecin, on a reçu un docteur Mandali, il y a aussi occupé de la Fondation Damien. Au fait, il y a un peu de lépreux. D'accord, ok. Donc, il y a commandé. Ah, j'ai dit, bon, je vais faire les beaux-arts. C'est pour cela que je suis venu à l'Académie des beaux-arts. Juste, dans ma tête, c'était pas vraiment pour apprendre pour ami mon ami na yebi, c'était pour marquer na CV nanga que je suis passé par là. Mais l'air na comme na monde que oui, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre et là j'ai aimé vraiment là. Il a dit qu'effectivement, il y a des choses à apprendre. Mes chers téléspectateurs, on vous rappelle que du 24 juillet au 3 août, vous allez célébrer tout ce qu'il a pu apprendre depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui 2021, il s'en est passé 25 ans et plus. Regardez avec nous ce qu'il est capable de faire, plus que ce que vous voyez dans mon plateau. Et on se retrouve juste après. A tout de suite.
De retour sur ce plateau avec Pelo Lemba. The best. Qu'est-ce qu'on a changé en français? Le meilleur. Tu as dit que tu congolité, Zakaka. Le meilleur, tu as dit que tu as dit. Les flamands, tu as dit. The best avec D-E-B-E-S-T-E. Ah, peut-être dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Bon, et il a dit que tu as le meilleur. Il a dit que tu as dit best Ingrid. C'est-à-dire cher Ingrid. Ok, d'accord, ouais. Dans ce sens-là. Il can good Netherlands spreken. Spreken ya Netherlands? Nee. Donc je peux parler très très bien. Alors, Kako parlait plusieurs langues. Ouais, notamment le néerlandais. Ouais. Néerlandais, voilà. Dans cette partie, on va plutôt s'attacher maintenant à votre travail. 1993, vous intégrez l'Académie des Beaux-Arts. Cette fameuse académie, cette fameuse institution qui a sorti tellement des artistes. Le Congo regorge d'artistes dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on compte même des architectes. Tout ça dans cette précision. Qu'est-ce que cette école vous a apporté? Ok. D'abord, je ne peux pas parler de l'Académie des Beaux-Arts sans faire un clin d'œil à notre actuel DG, directeur général. Il s'appelle Henri Kalama. Lui, au fait, c'est aussi un ancien de l'Académie des Beaux-Arts. Mais après, quand il a fini ici, il est allé continuer en Chine. Nakanisi, il est le seul, je pense en Afrique ou en Afrique centrale, le seul docteur en art plastique. À Salaki, licence à Zongi, moi, mon Kenamboka, il est reparti en Chine, il a fait sa maîtrise. Aza peut-être le seul. Dans l'ingé après sa beauté, j'ai aussi peint sa fille. Quand on a eu Tomoné, il nous a accordé deux salles, les deux salles d'exposition. Alors, tu vois, son... il nous connaît parce que dans la promotion d'Abisso, au moment où il y a eu, on se connaît. Tant au combien, c'était vous. Ok. Bon. Et quand on va à l'étranger, on apprend quelque chose, on revient, on les montre à nos compatriotes. Mm-hmm. Et puis, on aide aussi Bandekona Abisso Awa, comme lui aussi avait fait, accordé Abisso à ça. Ah, il y a une statue, il y a WhatsApp. Il y a une photo, il y a une jeune fille. Parce qu'en fait, bon, ah bah là, moi, c'est moi, autrichienne. Je suis un métier, je suis un métier, je suis un salaire, je suis un DG. Quand on a ça, on a tindélé, on a tiré en noir et blanc, on a tindélé. Ah, quand moi, c'est pélé, est-ce que c'est un crayon tout digital? Non, Libor, on a une couleur, mais ça sera une surprise. Donc, je ne peux pas parler de l'Académie sans lui faire un petit coucou. Alors, j'arrive à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis déjà artiste, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans tous les j'ai déjà fait, ouais, j'ai déjà un long parcours. Voilà. Et puis, Naïe, mais dans Monique, il y avait quelque chose que je ne connaissais pas. Peindre au couteau. Okay. Peindre au couteau. Na pinceau, tu es maintenant couteau. Okay. Alors, dans Monique, Master Mouazala, qui est Denis Matemo, il est maintenant professeur. Stéphane Makil, il a foutu un bon mot. Non, on a trois. J'ai payé l'argent. Ils m'ont montré. Parce que moi, j'aime apprendre. Quand je vois quelque chose que je ne connais pas, qui m'attire, qui me capture, j'apprends. Même jusqu'à maintenant, j'apprends. Ma femme me reproche tout le temps. Maman Claudine. Sorry, hein, maman. Claudie Ayala. Dito. On a besoin de master nanga, talaga, tous arabes sodés. C'est clair. Toi, tu payes tout le temps. Au monde, il y a Robin, l'artiste. Moi, je suis la moyenne, l'homme bien. J'entre en contact avec l'artiste. Allez, je paye. Il me dit non, c'est autant. Je paye. A Tindelinga, ba leçon. Et ça, c'est ça qui a fait que je puisse évoluer. Parce que. Comme on dit, si vous voulez apprendre, faites-vous petit. Parce que si vous arrivez dans un groupe, vous faites comme si, gros dos, mais ils vont vous fermer les portes, vous n'apprendrez rien. Même si dans tout ce qu'ils disent, même si vous connaissez déjà quelque chose, mais il y aura toujours une qui vous échappera. Et là, vous allez apprendre. Parce que si vous voyez, un gars prêtre, un gars boy, non, bah, au kangelo, bah, porte, tu ne vas pas progresser. Moi, j'apprends. D'accord. D'ailleurs, on apprend toute la vie, hein. Mon ignorance n'a pas de connaissance, n'a pas. On ne peut pas comparer. Ignorance et Zagara, donc illimité. Ouais. On connaît des petites choses. Ouais. Il faut se faire petit, apprenez. Voilà pourquoi on dit qu'on apprend tous les jours. Ouais. Tunisie, ensuite Canada. D'ailleurs, vous avez remporté de nombreux prix et lauréats pour plusieurs, même en vue d'Afrique. Vous avez remporté des prix. Au final, toutes ces expériences, je l'avais parlé de vous avez sillonné le monde. Ouais. Qu'est-ce que cela vous a apporté au-dessus du talent que vous aviez? Ok, merci. En tout cas, je vais profiter de ça pour faire un petit coucou à mon grand frère François Poitimavagna, lui qui m'a reçu ici à Lupin, avec sa femme Alice, Marie-Alice Mavagna. Dans moi, on a Sarah Mavagna, vraiment très très bonne famille, Nazawana, depuis un mois.
Heureusement, je suis arrivé là. C'est parce que si j'avais vu ma famille avant, on a progressé. Mm. Parce que le jour où j'ai été aussi là, tu as appelé moi, on a eu Mike Kayembe. Il y a un ingénieur en électricité. Donc, il y a tout le temps. Donc, il est avec moi tout le temps. Merci beaucoup. Alors, dans les expos que j'ai fait, dans la commune de Tunisie, là, je quitte l'Académie des Beaux-Arts ou les Congo en 96. Mm. La commune de Tunisie, comme j'ai dit, on a quelqu'un qui s'est présenté. Mm. Comment il y a mai en fait? Le 1er mai, on a commis, fait du travail. Le 3 ou le 4 mai, on a une ambassade à Bissau, je me suis présenté. Et madame qui était là, madame Lukusa, qui était chargée d'affaires, a dit oui, aux artistes, oui, il y a Amina Bissomo, Awa Roméo, Aza chargé d'affaires, Aza attaché culturel et ambassade. Dans une invitation, il y a une fille qui expose, comme ça, vous allez faire connaissance des artistes là-bas. Donc, il y a une fille, wana, après tout Sololi. Je vais exposer aussi. Elle m'a dit, ok, là, elle m'aide un peu dans ma démarche. Paf, tu as une galerie, moko, disponible en octobre. Là, je prépare des tableaux. Il est parti à trois pour me couvrir. On a fait une très belle expo à la galerie Ali Germessi d'Arketep, donc maison de l'écrivain, mm-hmm. à Tunis. Bah, télé, trois chaînes, y est, presse écrite et tout. On est en octobre, on est exposé. Novembre peut-être, ok, festival mon Rades. Rades, c'est la banlieue tunisienne. La banlieue à Tunis. Et c'est la ville qui tourne. On va célébrer le centenaire de la fête. Donc, il faut vendre pendant 7 jours. On a dessiné le flamand rose avec du sable. Hein, on a parlé du sable. On a sali flamand, il y a un peu de donc, la tête comme ça, bec, il y a un saleté. King, il y a un saleté. Il y a un peu de kwanza awa, donc King, il y a un saleté rond. Et mi balazo kwanza na mkongo kingo ne saliron abo ça neti 100 na mai pembe ni kitoko okay. Très beau na zui lauréat premier prix na chèque mora bien yaki à partir de là ou presseyé donc célébrité incroyable année landa ki festival de la rose na Ariana na ki kuna ba deuxième prix après to sali festival de Mahras et ça symposium d'art en fait ba kena bino na désert au sali 8 jours médaille d'or on a donc ce que les gars, rassem, narrave, les artistes, donc, la commune, on a un taxi pour la transport en commun, on a un tuna. Très belle ville. J'ai rencontré aussi Ben Ali. Oui. C'est pour ça qu'il y a aquarelle, là, on a Télémon Light Gallery, on a Carthage Présidence. On a soir, on a ambassadeur des États-Unis, il y a qui n'a moins sinaï, on a très stratège. Si on a une salle expo, j'ai envoyé les invitations en fait. Dans toutes les ambassades. D'accord, ok. Dessiné à l'attaché culturel de l'ambassade. Mm. Et par chance, au moment, on a 5-6 baillés. Toujours ça, la connaissance. Là, j'ai préparé mon terrain pour avoir visa. Tout le monde a dit, moi, je ne comprenais pas. Celle-ci, c'est Ben Ali qui rentre. Ok. Président de la République. Président. Ah, Talibango, ah, Pesse Bambote, ah, Pesse Gambote, une main douce là. Ah, Batamongo, ma beau pète. Ah, ben nous, tout n'en a pas le bas, mon assez. Tout solo, Liwana, on s'est présenté, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait. Quelques temps après, tu as culture et art, on a vu Baye, on a un tableau, mon beau. Donc, on a deux tableaux dans le musée, un jeune peintre en Tunisie. C'est l'État qui a payé. Je vais exemple la table rose. Je pense que vous reconnaissez la personne qui est là. Tableau Oyo, en fait, mon le tableau Oyo, na Senga qui est, a un présentatisme très célèbre, une parisienne. Dans on a eu Luca, dans on a eu Nakini, na Osande, nini. Ma femme m'a dit, écoute, contactez Ingrid Kabongo. Ingrid Kabongo.
Donc vous racontez l'histoire de cette anime, de cette présentatrice. Nayebake déjà, oui, de cette présentatrice. Okay. Je la connaissais déjà, mais je la connaissais sous son émission, entre nous. Ouais. Entre nous, c'est tout le monde. Mais elle recevait beaucoup d'artistes, musiciens. Pourquoi artiste peintre, on est là aussi. Vous savez, vous en Europe, quand on dit artiste, on voit d'abord un peintre. Alors, Aïbsi n'a contacté. N'a contacté. Donc vous ou toi? Bon, c'est quoi les conditions pour passer une émission? Non, conditions nanga. Yo Sarani, moi je suis artiste peintre. Moi je veux un portrait. Mais les portraits, ça vaut trop cher, caché par foutre. N'a qu'un portrait. Nathalie, valeur Oyo, que toi tu as donné à l'art. Parce qu'en Europe, comme on vit là-bas, hein, c'est les aristocrates, en fait, qui se font peindre. Tu vois, à l'époque, ils prenaient les Léonard de Vinci, les Michel-Ange, les Delatour, tout ce monde-là, ils les prenaient chez eux. Ils faisaient les portraits, leurs portraits, les portraits même de leurs chaussures, de leurs chambres, de leurs animaux, des compagnies. Et alors, il peut rester là-bas, dans un château, 3-4 ans après, quand tant Robi Mabo va passer château. Va passer un dab. Il est foutu, il y a un gars. Exactement. Alors, la difficulté, pour revenir à la question, c'est ressortir la personne. Moi, je suis spécialiste, je n'ai pas de portrait, mais je fais tout. Robi Misabova, mon ami, au dessiné Ingrid. Tu vois, tu es sainte. Au moins, tu es dans la salle. C'est quoi ça? Que ça? Voilà, on a posé la même question. Donc, on a une tique, mon gros. Oui, au fait, c'est ça, miel. Bah, photo et style, c'est à la vogue maintenant. Au moins, les grands peintres européens actuels, ils font plus de photos comme ça. Et les gens se portent volontiers pour aller peindre. Mais il y a tout qui est. Ça veut dire, comment tu veux, Nassa la porte, c'est toi l'artiste. Nassa, les gens, parce que ça, c'est un bon. Je laisse libre à votre imagination. Voilà, ça, c'est votre côté aristocrate, votre côté baronne aussi. Parce qu'au ticket, les artistes, à sa canane, allez. Alors, les miels, je les choisis, pourquoi? Parce que, et ça, symbolement, il y a purification, ou il y a conservation. Quand vous voyez les découvertes qui se sont faites actuellement dans la pyramide d'Égypte, dans quatre analyses, il y a une momie. Ils ont découvert les traces du miel aussi. C'est vrai que les chimistes égyptiens, ils n'ont pas laissé des traces. Mais il y avait des traces du miel. Le miel, c'est pour conserver. Regarde, moi, je ne vous donne pas votre âge. J'ai donné un âge, là, vous avez dit non, c'est Ezamouké. Votre visage frais. J'ai un ami à Boston, Jean-Luc Azad, il dit, vous savez, Ingrid, elle est douce, elle est charmante. Il dit, bébé, on la connaît, douce, charmante, mais ça, vous voyez bien, peut-être, vous voyez, comme ça, dans le caractère, mon souci. Donc, vous rayonnez, vous reflétez quelque chose de douce, ou de doux, on dit, et puis de frais. C'est comme vous vous conservez. Le miel, ça se conserve. Et ça, au talikoto, c'est jaunâtre. Miel, elle a jaune, mini beauté. Ça, en fait, j'ai fait allusion à l'œuf. Et ça, rituellement, la productivité dans ce qu'on fait. Parce que vous êtes journaliste, tu es journaliste, trop de vouvoiement. Vous êtes journaliste, je ne pense pas que tu avais commencé comme ça. Tu as commencé petit et tu grandis. Tout le monde a grandi. Une histoire. Voilà, tu grandis. Ça, c'est une productivité aussi. Les années, c'est bana. Mission, notre, les années, c'est bana na yo, bota. Okay. Mission, les années, bana na yo. Et, vous êtes tellement fertile que quand on te regarde, le respect que tu as envers tes invités, regarde, on dirait mon amour, il y a un vendu boyé, on dirait un banga Ingrid, mais reste à l'aise. Reste comme ça. Photo dans la Tindaka. Photo dans la Tindaka pour pas aller avant et après. Donc, c'est ça. En tout cas, je fais ça pour vous honorer aussi. D'accord. Vous avez eu. Quand même cette volonté de m'honorer pour Yamarana Plateau Nayo entre nous. Merci beaucoup déjà Naba. Et vous y êtes enfin. L'équipe Nayo, j'y suis enfin. On a eu des tracasseries. Effectivement. On a eu des contretemps, mais c'est des aléas de la vie. Tu devais voyager, il y avait des imprévus.
ça, tout le monde ne peut pas bien chronométrer son temps. Donc, enfin, on a réalisé ça. Na papa na biso le doux. Bien sûr, le réalisateur Charlie Kanga. Charlie Kanga, donc, azo Kanga biso pena, donc merci beaucoup. Merci à vous. Pelo, la question qui nous pose, ça prend combien de temps pour une réalisation? Moi, je compte pas. Au moins, des fois, il y a des artistes qui comptabilisent en heures. Que j'ai mis, par exemple, 140 heures à faire ça. Parce qu'on prend une toile vierge, il faut prendre votre photo, faire les croquis, c'est difficile de ressortir vraiment la personne telle qu'elle. Il faut qu'il y ait des proportions, qu'il y ait des... Mais je vous ai fait la peau plus pâle. Vous avez fait les joues telles... En fait, je regarde les traits, mon nez est à l'identique. Ma bouche est aussi bien faite. Mes yeux, ça, souvent, on ne rate pas parce que j'ai un regard perçant de ce qu'on me dit. Éblouissant. Les sourcils sont... Non. Donc, ça, ça prend du temps. Moi, je ne compte pas en temps, en fait. D'accord. Quand je commence un tableau, je fais deux ou trois. Mais en termes de jours, vous pouvez savoir si vous avez pris deux semaines, un mois. Deux ou trois à la fois. Parce que ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un peu de miel. Je n'ai pas mis un peu de miel. J'ai mis un peu de miel. Pour me détendre, pour faire ce passage-là au bébé, il y a un repos. Un repos, ce n'est pas l'inactivité, mais c'est passer d'une activité à une autre. Par exemple, pour vous, là, vous avez... Donc, je peux pas compter, mais ça peut me prendre une semaine. Parce que moi, j'ai peint, j'ai développé une technique que j'ai appelée le pointillisme estompé. Okay. Pointillisme, c'est une technique, on peint à point. On fait que des multitudes de petits points. C'est comme ça que ça a été fait. C'est comme ça. Parce que votre peau, regardez la paume de votre main. Regardez la paume de votre main. La paume. Il y a combien de couleurs? Plein. Voilà, il y en a plein, plus d'une dizaine. Mais bah, sous temps où tu as ça, la si, quand tu auras peinture, tu pas coller pour mon nez à brun. Non. Même la peau, il y a des pores, il y a des, plein de choses sur la peau. Donc moi, j'ai faim. Même moi, nanana, y a la vie. Papa, mais pourquoi tu fais pas comme ça? Pourquoi? Je peux faire un œil une journée. D'accord. Ou je peux faire un œil deux heures. C'est-à-dire, je mets des petits points, multitude de petits points et j'estompe. Estomper, c'est-à-dire. Effacer pour qu'il n'y ait pas de traces de pinceau. C'est une technique très difficile. Et puis, ce qu'on a, comme toi, tu as des joues si doux comme ça, bah, pas paumé beaucoup, moi, je ne vais pas parler de ça. C'est doux et c'est comme unichrome, monochrome. Donc, couleur, moi, bah, nuance, quand on a repéré ça. Donc, si je m'arrête là, l'objet va continuer, l'inné au monde. Ah, ok. Le bandit, il tama oh, il faut que tu aies stratégie. Place, il n'y a pour tracer mon anaté. Donc, ça prend du temps, je ne compte pas en temps, je fais ce que j'ai à faire jusqu'à ce que ça soit au moins, je me dis, waouh. Et ma et femme. C'est à quel moment qu'une personne que vous vous dites en tant qu'artiste, j'ai fini le tableau? Une œuvre d'art n'est jamais terminée. Alors, on peut toujours ajouter? Je peux toujours ajouter. Nengezawa, Nagobaksa. Nagobaksa, tout ce que je veux. D'accord. Donc, une œuvre d'art n'est jamais finie. Mais quand je suis satisfait, j'arrête. Et là, vous êtes satisfait? Là, je suis... Vu qu'elle va être exposée. Je suis satisfait. Je tiens à vous rappeler qu'elle fera partie de l'exposition du 23, du 24 juillet à l'Académie. Académie des Beaux-Arts. À l'Académie des Beaux-Arts. C'est un honneur pour moi parce que j'aime la culture. Comme vous l'avez dit, tout n'est pas une question d'argent, tout n'est pas une question de money. Non, c'est une question avant tout de valoriser notre art. Quand je lui ai demandé une peinture, c'était tout simplement pour que je voulais aussi devant vous qu'il puisse nous parler de son art et puis que nous puissions constater ensemble le résultat fini. Pour moi, c'est un rendu spectaculaire parce qu'il ne me l'a jamais montré. Je l'ai découvert là en arrivant, comme vous tous. C'était un grand moment. Alors, d'où vous est venue cette idée, on va enfin en parler, du 24 juillet, de cette exposition? Okay. Le but, c'était quoi? Avant qu'on entre dans les personnages dessinés, okay. Le but était quoi? Le but était, d'abord, le thème de l'exposition, c'est exposition des peintures. Mm-hmm. Le thème, c'est portrait des personnalités. C'est quoi une personnalité? Mm-hmm. On peut être une personnalité et on a tous une personnalité. Mm-hmm. Donc, tu as la personnalité, tu as la personnalité. C'est quoi notre personnalité? L'ensemble de nos traits, des caractéristiques à la physique ou moraux, qui différencient une personne d'une autre. Tant on a commis à Wanazo, quoi admirer, réalisateur Nabiso, il est doux, il est calme, mais il ne peut même pas les parler. Ça, c'est sa personnalité. Mais ça, on peut caractéristiques, moraux,
tu vas deviner en côté. Donc, personnalité dans le sens où Ezali, c'est les renommées ou les aura ya moto par rapport à ce qu'il fait ou ça de sa situation sociale. D'accord. Netio. Tu peux te dire que tu as une personnalité. Bien évidemment, parce que pourquoi? Je suis leader d'opinion. Voilà, leader d'opinion, tu es influente. Éducateur de masse. Tu es influente, tu captives les gens, tu peux les influencer dans une certaine mesure. Je donne l'information. Je resterai dans l'information. Voilà, on a commencé. Mais pour nous, il y a un monde, il y a business. Dans le domaine, il y a business. Il n'y a pas personne. Il y a un matolo modifié. Matolo, c'est quoi? C'est quoi matolo? Un jour, je vais vous dire de vous tenir debout et de nous présenter chacun des tableaux qui est ici avec le nom de chaque personne, comme ça, tu as la place Ezamatolo Toté. Ezamatolo Toté, parce que. Moi, je me suis fait petit avant d'atteindre. Je me suis fait petit pour que nous n'atteignions pas le Moutamatolo, à l'obiga combat, il dit qu'on pèse quelque chose. Mais moi, non. J'ai mis du temps, j'ai mis des moyens. Donc, ce pour vous honorer, na sala on honneur na bino. Donc ce maman Beda Chou a yé na kacha le vite na sepele na on le batté. Na sa kango pour la wana té. Bonne exemple de c'est la rémunération, la reconnaissance de l'artiste. Partons sur le premier. Na betra ke oli solo ba artiste na miki, aké na ndako mo a dessiné pa ba pesenda. Ba château ba na opesa, ba moné ba mané ba ni. O maman Dina Pembe. OK. Mais pourquoi? Quand j'ai rencontré ma femme, tout obé dans ma solo, tout ça, tout ça. Moi, quand j'étais à Kinshasa, je m'habillais chez Ye. La boutique Lina. Oui. À Banaro, Takuna. Ok. Et puis, dans la jeune fille, Sonia, qui est trop influenceuse. Dans mon Akiana, c'est plein le visage, et tout ça, j'ai fait. J'ai fait maman Lina pour l'honorer, pour ça. Et j'ai fait aussi son mari, Vélidas, photo Zali. Ok. Oh, Yohan Zali, la maman d'Abé Dachou. Ok. Abé Dachour a fait médecin et art. Et puis, il y a un artiste, un musicien. Il y a un c'est-à-dire, il y a un et puis, tout le monde a fait ça là pour aider les gens. Tout le monde a fait un goma, l'air de catastrophe. Il a envoyé des trucs. Mais il y a un est-ce qu'on a qu'un Instagram, il y a un photo ou dessiné. Il y a un message pour faire quelque chose pour la maman. On a ça depuis 2020. D'accord. Il a dit, ah! Donc moi je vais dessiner sa mère aussi, la salle d'Abé Dachour, la salle de maman. Donc, on a vu comment on a été, on a bien dit Madame Achour. Ok. Voilà. Bon, on passe à la mienne. Tout sauté dans nous, on a voilà le blanc après. Passons derrière. Oh yo, tant on a cette jolie petite fille. Eric Manda, tant on a eu comme combo, Eric Mandala, boss. Si on a eu la photo, on a dessiné. On a eu mon Instagram, on a eu photo, on a télé, on a voiture, on a eu, je ne citerai pas la marque. Asimbi coupe mon boye et puis dans la jeune fille mon personnage. Je me suis dit ça devait être sa fille. Dans ça l'Eric Mandala, la célèbre fille naïe. Je connais pas son nom mais son regard. Ils sont dirait yo hein. Mais yo c'est un peu ouvert par là. C'est un autre truc qui te quoi influencer nani. Moi non, elle est influente peu dans dernier parce que na côté à papa naïe. Papa est influent, Aza Messen, Aza je pense qu'il soutient les artistes aussi. C'est pour cela que je t'ai dit, ça m'a tolo boyété, mais c'est vraiment honneur na sali bango. Et moni papa ba waso olingo kanga Lyon, to Lyon zo mwana. Alors, na zi mwana na sali jeune fille na bi comme on était peut-être Eric Joto Okutana ako l'accent a voyé sanga. Si peint son père. Oui, j'ai peint son père, j'ai peint. Très beau porté à Eric Mandala, je pense que tant au leki sagi ba photo. Ba mona ki ango déjà mais yé batwa lo bananga tcha beaucoup travaillé Eric Mandala. Donc, texture de la peau, na na sala qui est trop détaillée. Bon, ça c'est. Appréciation quand il y a Batou. Justement, on va terminer avec cela. Bon, moi je reste ici. Donc, vous êtes là, vous allez juste nous expliquer. Amida Chature. Amida Chature, en fait, c'est une femme aussi très influente. Nathan, je ne veux pas trop parler à l'aide
Mouba Nazari Durkab, il y a actuel chef de l'État. Elle a sa propre fondation. Oui. Elle a une fondation qui aide les gens. Et puis, elle est Marka Kinga parce que moi, je connais sa sœur, à Montréal. Hein? D'accord. Chamine Chatur. Naïbie bien. Son akekuna tobe tarabina chaboa là. Lambi foufou tole. Leur apesaki groupe électrogène, moi, on a mama yemo. Je pense que ça coûtait comme 40 000 $, quelque chose comme ça. Courant Kendaki, Banabakoufaki, et puis la presse en a parlé. Elle a fait ce geste-là. Et sa responsabilité n'a été. Ils appellent ni à aucune autre personne. Et sa responsabilité, normalement, il y a l'État parce qu'ils ont hôpital mort public. Mais il a fait ce geste-là. Ce geste-là a sauvé beaucoup de vies. Parce que si le long à Kinshasa, on a un problème avec la coupure à courant. Mais un hôpital, c'est un endroit où on va pour retrouver la bonne santé. Et ça, un endroit est trop qui dépend. Voilà, maman. Et ça, place est trop qui dépend aux zones à son endroit où on a beaucoup. Alors, si on a la possibilité, on a un courant permanent. Et on a des bannes, on a des couveuses. Tu t'imagines en pleine salle d'opération, courant qui. Peut-être la mort assurée. Voilà, c'est ça. Donc, les gestes qu'elle a fait là, je dis, je vais la peindre aussi. Je rendrai peu honneur. Voilà, voilà. Et ça m'a toloté pour revenir à la question de l'Obaki. Mais c'est vraiment honneur. Je rendrai pour les biens qu'ils font pour nous tous ici. Voilà. Alors, justement, vous avez peint, au final, il y aura 26 tableaux exposés, oui. Si je ne me trompe pas. Oui, vous compris. Oui, j'ai compris, forcément. Alors, dans ces 26 tableaux, le choix s'est porté. Donc, on a vu déjà, ici, nous en avons 5 exposés. Il y a encore Eric Mandala, Abed Achour. Vous avez mis en valeur les premières dames de la RDC. Oui. Quelques-unes, en parlant de Denise. Avec l'âge, on triche un peu. Hein? Mm-hmm. Ok. Avec Denise Nyakero, avec Maman Olive Lembe et aussi avec Maman Mobutu. Oui. Au final, de toutes ces personnalités que vous estimez, comme vous nous l'avez expliqué, quel retour vous attendez de cette exposition? Le retour, c'était quoi? Quand j'ai décidé de venir à Kinshasa, je me suis dit, écoutez, ça fait longtemps que j'ai quitté le pays. Là, il y a tout, beaucoup de choses ont changé. Il faut quand même, Nassala. Na dessiné ba célébrité na biso retour nango ezali na nos reconnaissances reconnaissance à talent nanga montrer aussi na ba jeunes artistes na kené na académie des beaux-arts na lisa ba photo ba petit ne to bien yango de biso donc ozomona reconnaissance on a la lingi na yeba na mi yeba ni sa pe na mboka nanga parce que quand je suis parti na série d'exposition mingi peut-être na à l'extérieur plus à l'extérieur je vois je vous ai un peu raconté la Tunisie na série d'exposition mingi na zuba prix na Canada da zuba prix prix à l'université Moncton prix à Vue d'Afrique prix à ba organisation des professionnels congolais au Canada na bibo na sala na kende et puis ba si je fais des tableaux auto ça libre net ba paysage ba nini ba yebinga na ils diront c'est qui mon ça ba porter ba tout connu qui seront touchés personnellement on se ba mon a déjà talent on a après je peux faire autre chose donc retomber dans ozo le paysage nini c'est juste une reconnaissance une récompense un artiste nana honoré bino yoko le ba bon na sepeli bon mais comme na ko le ba par exemple nana domaine nanga à partir d'aujourd'hui après exposition chaque émission nanga portrait nanga et vendre pendant 6 mois c'est une manière yako la qui c'est artiste voilà na niveau nanga c'est quoi de chacune de ces personnalités et des personnalités des 26 personnalités vous, des 25 autres pardon vous attendez quoi j'attends quand même pas son bango ou bien son tout ça y est une exposition le bi papa nga nina son ba portrait ya Abed Achour ou te kelé na ligne tena utiliser terme ko somba na ligne utiliser terme rémunération auto benga na nini reconnaissance artiste c'est pour cela ce ko somba il y aura un prix mais moi comme je veux pas avec le je viens pas avec l'objectif de vendre mais que leur propriétaire puisse s'en procurer bazwa yango na zonga na ngote c'est pas à moi c'est le visage qui appartient aux personnes ba ya ko zobilo ko na ba ba ça la moi rémunération pour la reconnaissance artiste. Nabini, il y aura seulement, il y aura pas de nom. Les gens peut-être qui te connaissent pas diront mais c'est qui cette jolie dame là. Je mettrai pas de nom. D'accord. Je mettrai des numéros. Par exemple, toi tu viens ou maman Midavé ou maman ou Abed Achour arrive, il dit mon tableau c'est numéro 12. Vous prenez une enveloppe, vous marquez dessus numéro 12. Moi je sais que numéro 12 c'est Ingrid Kabongo. Vous mettez quelque chose dedans. Vous me mettez $1, vous me mettez $0, vous me mettez $1 million. D'accord. C'est comme ça. Parce que je ne veux pas contraindre les gens, en fait. Je veux qu'ils se sentent à l'aise.
pour l'honneur qu'on leur a fait. Alors, que même puisse se récompenser. C'est comme si se récompenser. Ok. Je ne sais pas si c'est yo. Je ne sais pas combien. Je n'ai pas de prix. Voilà. Il n'y a pas de prix. C'est caca. Feeling au Rosana, on a un moment où on a vu bon. On a encouragé quand même l'artiste. Avant de partir, nous tenions son enveloppe Naye et Zala, même s'il n'y a rien dedans, qu'il puisse prendre son portrait. Parce que nous ne pas son portrait. Nous ne pas son portrait. Parce que je ne le vends pas. Ah, ok. Et ça, il y a yo, c'est à toi. Il y a un portrait. Il y a un commandé portrait Naye. Il y a yé, il y a toi, il y a un à Pony. Mais je ne peux pas vendre ton portrait. C'est pas normal. Et ça, il y a yo, yo, yo. Si tu vas aller vendre, si tu en fais ce que tu veux. Tout le monde se bat pour Mona Lisa. Bah, tout le monde se bat. Pour au Louvre. Tout le monde se bat. N'importe quel collectionneur voudrait l'acheter. Azaï, moi, si naïté, Azaï, naïté, Azaka, portrait. Narobet, le moins historique. Moi, histoire, moi, il y a sur, une anecdote sur Mona Lisa. Moi, quand je suis allé en France, je me suis dit, mais il faut qu'il y ait un Louvre. Azaï, il y a une carte. Carte, il y a. Association des plasticiens tunisiens. Ça, ça nous permet à Rocco de miser nous sur la montre. Na ken a Louvre, na bi l'équipe a œuvré nous sur destination Mona Lisa. J'arrive devant la Joconde. Il y a 80% des personnes qui vont au musée du Louvre. Plein de monde, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans le tableau? C'est un tableau bien peint par un peintre qui aujourd'hui est parmi les tops. D'ailleurs, une de ses œuvres était comme une à 450 millions. De dollars? Dans le Bela Gimoko dernièrement, il y a 249 millions. Il y a 450 millions de dollars. Si vous avez dit Google, les tableaux les plus chers, vous avez déjà Léonard de Vinci. Vous avez capturé des clans dans le Awa. 450 millions de dollars. Parce qu'on a prince Moro saoudien, milliardaire saoudien Moro. Nathalie, tout ça pourquoi? C'est parce que ceux qui m'ont dit ça, il n'y aura plus de pareil. Même si quelqu'un copie ça, il ne va pas copier pareil. Ça ne sera pas moi. En plus, dans le nord, on va surmédiatiser les artistes. Tout ça, Picasso. Picasso, il peignait bien. C'est un grand peintre. Je ne veux pas le dénigrer. Grand peintre. Mais comment il y a une célébrité Vous allez quand même peindre quelque chose comme ça. Parce qu'il est allé dans un festival en Afrique du Nord, je pense au Maroc ou en Algérie. On lui a offert un masque. Masque, on a dit, quoi qu'on a mis sur la salle. À mon ami, ce Kenda Boye, Zolo Moula, et moi, ma masse n'est pas là. Moi, mon tout bas, n'est pas là. C'est quoi ça? Quand on a dit, on a dit, on est en France, à Tiango, il y a un miroir à l'Ali. On a dit, on a reflet à masque dans le miroir. Et ça, c'est kati-kati. Le quoi, la proportion, ils ont équilibré. À Sali, oh, à Bengi, cubisme. Tant qu'on a créé cubisme, mais le monde a explosé, un génie et tout. Mais génie, qu'est-ce qui l'a inspiré? Masque au coq qu'on a vu sur Sala ou à Tangate. Donc, mon tour à Sala qui masque, Babengi, c'est un artiste primitif. Mais où a s'inspiré dans l'art où on a primitif, Babengi est génie. Alors, des deux, qui est le génie et qui est le primitif? Qui est le copiste? Parce que Picasso, en fait, il a juste copié les masques, mais c'est en peinture. À Kati Kati, on a bien au cubisme. Donc, les lots où il y a en Europe, l'art premier, c'est l'art africain. L'art contemporain, c'est l'art africain. Avant, il n'y avait pas un artiste africain qui vendait un tableau à 100 000 dollars. Mais les lots artistes morts au Nigeria, il y a 1 million de dollars. Je suis basé dans le système de la reine, dans le Bangwana. Je suis aux enchères à Londres. 1 million de livres sterling. Donc peut-être 1 500 000 dollars. Il est vivant. Donc il commence à reconnaître valeur à Arnabiso. Et qu'est-ce que Pelo Lemba attend? Moi j'attends une reconnaissance dans le public Nabiso à Awa. Et puis dans l'Europe, là, c'est dans Vandarbo. Dans Vani Ming, dans le Canada. Dans Vani 4 ans en Tunisie, 5 ans en Europe. Et puis 14 ans en Canada. Dans Zongi, en Angleterre, c'est la 3e année. Nous avons contacté la galerie, mais avec la maladie avec la COVID, c'est pas évident, mais je veux qu'on soit reconnu dans le monde où il y a un art. D'accord. Anecdote, monsieur, avant Gogh. Il y a une collection d'art, il y a la collection l'étoile des maîtres. Mais c'est qui un maître? Tout le monde est connu. Il y a surmédiatisé l'artiste. Il y a un peu de temps, il y a un peu de la qui sera bisopé, mon exemple, il y a Picasso, surmédiatisé parce que à s'inspirer dans masque, il y a un masque qui est primitif,
Yé ba bengé génie, ma yibi awa. Mais par exemple, aujourd'hui, vous demandez à nous de vous médiatiser. Ça, c'est un fait. Est-ce que le ministère de la Culture fait son travail aussi? Mais il faut qu'on aille les voir. Comme je t'avais dit, en Tunisie, quand je suis arrivé, dans le ministère de la Culture, dans Sololi, dans Zogi Kart. Vous êtes là depuis un mois, est-ce que vous l'avez fait? Non, pas encore. Pas encore. Comme donc je t'ai vous dit, n'y croyez pas? Comme je t'ai dit, j'y crois. Mm-hmm. Je t'ai parlé de ma famille mm-hmm. charnelle. Mm-hmm. Ça fait 28 ans que je les ai quittés. Dans mon imaginante. Maintenant, ça fait un mois. Parce qu'ils ont préparé. Oui, ils ont préparé l'expo. Et puis, le quoi, la billet, c'est dans Sombaï déjà. Moi, j'ai changé de date. Quand je suis arrivé, il y avait d'autres œuvres que je devais terminer. Il y en a signé même pas encore. Oui, pas Alina, on a signé Penaonté. Donc, ils allaient exposer samedi. Tu vois, que j'ai continué. Si j'avais vu ma famille, 28 ans d'absence, ils ont absorbé tant d'années. Ils ont travaillé. Donc, j'y crois. Je suis dans le ministère de la Culture. Et puis, je suis dans le ministère de la Culture. Na Tunisie tant on a commis na ça on a coûté na Benali j'ai dessiné bateau tant on a que Canada na dessiné premier ministre na Bisso Yasiko Justin Trudeau. Très beau portrait, tout ce qu'il a fait, la façon de il a géré la crise de la Covid, je peux le dire parce que c'est pas un secret. Moni na bamboka nyo sa monde Biden là il vient de voir des pouvoirs a payé américain nyo sur $1,400 même bébé. Mastamoro Albert Ndaye à Portland, il y a 5, 7 000 $. Après, c'est pas tout. Et puis, il y a 600 $ chaque mois pendant 6 mois. Mais Trudeau n'a pas fait ça. Trudeau a donné $2,000 à tous les Canadiens qui ont perdu son travail pour la COVID pendant 6 mois. $2,000 chaque mois pendant 6 mois. Tant que s'il y a, comment je dois faire pour. Parce qu'il y a un peu de Canadiens, il y a un conservateur, il y a un Québécois. Maintenant, il a dit, bon, ceux qui travaillaient, bah, travaillent autonome, n'est-ce pas? Ils ont payé 1 800 $ chaque mois jusqu'à à ceux qui sont 6 mois. 6 mois, qui a prolongé. Donc, ce monsieur, bah, son côté politique qui m'a vraiment attiré parce qu'il a une bonne politique aussi, mais son côté humanitaire. Il a salé pour tout le monde, il a encadré, il a obtenu de l'eau. Mais voilà, tu as exposé. Non, voilà, il y a eu, il y a eu dans le Canada. Il y a eu dans le monde, il y a eu dans le monde, Bristol, il y a eu 2 heures de Londres. Na komi maire ya ville azali originaire ya Jamaïque. C'est un homme très cool, il est toujours même l'air Covid et bandi azo kende na babala ko kabula ba masque. Abi il faut na dessiner tata. Na sali portrait na yemo mais suka. Na sali cadre. Na tindeli ye na photo parce qu'azo recevoir en Inter pour na Covid. Na tindeli na photo, je t'ai dit qu'il m'a fait un speech ya 2 heures. Pour chaque vendredi, on a reçu la live na Facebook. Alors, Belinga pendant 2 heures, il m'a adressé directement un message. Moro, Yakito, si tu veux, dans le salon. Nazaki, vraiment, tu vois, j'étais flatté. Avant, il y a Nakini, on a dessiné qui, on a na Bosani Koloba, on a 2 émissions dans la salle avant. Yo. Je peux les citer? Bien sûr. Na salle, na Isaac Maï, na Grosse Caisse. Yo, na singa qui permission na yo parce que je voulais que yo salanal pas yo de gado ça na Paris. Mais comme tu venais na bi non Ingrid s'il te plaît nazade ana kini tu as des empêchements, je peux faire avec Isaac, tu as dit pas de problème. J'ai fait avec elle, avec lui pardon. Mande faut payer mais na Frank Stemay. Il écoute à commission grave na bi bon. Tu vois il t'aime beaucoup. Avant na yana sala qui monsieur le gouverneur de la ville. Gentini Mbaka Ngobila. Na sale portrait moi qui toko mais à dimension oyo. Master na moto za na moya Roger Kumbazaki awa, ayebi mutumo ayebi na bibon. Na sala yena no pona fungola nzela. Oyo za le premier citoyen de la ville. Le premier. Na tindi ango na DHL ça m'a coûté ba keko pesa ye mais jusqu'à présent na zuna feedback na été. Donc ça sera vraiment un plaisir pour moi de les rencontrer, de les rencontrer pour avoir un peu son, tu vois, son feeling. Est-ce qu'il avait aimé les portraits ou pas? Alors, on a salué au monsieur, tu vois. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose que Moutouazaka, moi, la mouké Azoko, la même dans l'art. Oui. Comme la manière dont vous dessinez à 15 ans, c'est plus celle d'aujourd'hui. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un métier qui paye? Qui paye Pelolema? Je t'avais dit que depuis l'âge de 20 ans. Parce que si on peut répondre oui ou non,
De 1987 jusqu'à 2006, 2005, on a commis à Canada. Je n'ai fait que de l'art. Donc, c'est un métier qui paye très bien. Mais il faut avoir beaucoup de connexions et beaucoup de visibilité. Ça, c'est son secret. Voilà. Aujourd'hui, Pelo Lemba, qu'est-ce qu'on doit attendre? Enfin, non, pas qu'est-ce qu'on doit attendre. Donc, l'exposition est du 24 juillet au 3 août. 3 août. Donc, sur Congo Web Télévision, vous y invite déjà à vous rendre en masse. L'entrée est payante ou pas? L'entrée est gratuite. J'ai une invitation pour vous. D'accord. L'entrée est gratuite. Et puis, le 24, c'est un samedi, ça, on aura un vernissage. De 15h à 20h. Mais on va arrêter à 18h. Oui. Pour permettre aux gens de repartir. Pour leur permettre. On doit respecter aussi la loi et l'État. D'accord. Parce que 22h, c'est le couvre-feu. Si on a dit qu'il y a un au 4, 20h, l'État. Il peut avoir des problèmes. On ne veut pas ça. 18h, 19h, déjà, c'est fini. Okay. Alors, l'entrée est gratuite. Et puis les autres jours, après les 24, ça sera ouvert de 10h à 18h chaque jour. Okay. L'entrée est vraiment gratuite. Affiche mon rabbin, on a une académie. Et pourront vous voir aussi là-bas tous les jours ou bien juste le 24, tout ça sur Bakoutaï. Pour le 24, tu as vu qu'on raté. Le 24, on aura raté. Moi, je serai là déjà à partir de 10h parce qu'il faut revoir. Demain, je vais pour accrocher. J'ai accroché 14 toiles hier. Mais c'était Zaki Boye, Lobby Fona Kende pour ajuster tout ça et amener ce qui restait. Je serai là le 24 toute la journée, de 10h jusqu'à 20h. Si vous aurez après les autres jours, je pourrais passer de temps en temps. Mais il y aura quelqu'un en permanence là-bas. Si vous souhaitez, si aujourd'hui quelqu'un veut peindre son. Veut que vous puissiez peindre son portrait, quelles sont les conditions? Comment doit-il faire alors pour vous contacter? C'est ça pour me contacter, c'est au fait, soit tu passes par toi. D'accord. On peut afficher le numéro. Est-ce qu'on peut mettre les coordonnées oui. au bas de l'écran? Vous pouvez mettre en bas de l'écran là pour que Bamona. Mais sinon, c'est Mingi connecté à WhatsApp, c'est plus 44 73. Le numéro s'affiche. Ouais, plus 44 73 68 13 45 09. On a WhatsApp. Il y a qui ni bon. Les alipés, on l'écrit aussi. Vraiment, il faut contacter Ngawana. Et puis, Moutounio Salingi portrait. Moi, je suis là, je suis disponible. Ata et Zandeni, mais je vais refaire, je vais revenir. J'ai brisé la glace. En fait. D'accord. Donc, chaque année, je ferai comme toi. Hein? Je reviendrai chaque année, pour visiter la famille. Là, j'ai déjà une dizaine de portraits que je vais faire. Bon, la liste peut s'ajouter. Et aujourd'hui, si vous aurez un conseil à donner à un jeune artiste peintre qui lui est encore dans le banc de l'école Alina, ou encore à l'Académie des Beaux-Arts, qui aimerait avoir de nouvelles techniques, acquérir, enfin qui veut vivre de sa passion, le conseil d'un aîné et d'un professionnel, ce serait lequel? Regardez-le maintenant. En tant qu'aîné et professionnel, professeur d'art, il ne faut pas être découragé. Si vous faites quelque chose, si vous voulez réussir dans un domaine, sachez qu'il y aura beaucoup d'embûches sur votre chemin. On ne peut pas s'élever et être au top tout de suite. Il faut parcourir. Moi, j'ai parcouru un très long chemin. Je vais vous raconter l'histoire de Van Gogh. J'allais en parler avec Ingrid, mais je vais vous le raconter. Van Gogh, c'était un artiste néerlandais. En fait, il voulait devenir pasteur. Parce que son père était pasteur. Mais il ne réussissait pas. Alors, il a commencé à peindre. Il est allé à Paris. Là, il a rencontré Paul Gauguin. Il a dit, mais Dieu est aussi dans l'art. Il est reparti. Il y avait son frère Théo qui vivait à Paris. Lui, il est reparti. Mais il est allé vivre à Neunen. Neunen, c'est un petit village à côté de Eindhoven. Moi, j'ai visité ça. Très petit village. Et là, il commençait à peindre. Mais celui qui lui envoyait un peu d'argent, c'est son frère Théo. Lui peignait, il envoyait à son frère Théo. Van Gogh n'a vendu aucune toile de son vivant. Il donnait un restaurant, on lui faisait un bon pour manger autant de jours, et c'est fini. Mais aujourd'hui, quand on dit Vincent Van Gogh, c'est l'un des peintres les plus chers et les plus célèbres.
Donc, de son vivant, il n'a rien vendu. D'ailleurs, il s'est suicidé. Il aimait beaucoup des jolies femmes, mais les femmes ne l'aimaient pas. Mais quand on voit ses portraits, qu'il a fait beaucoup d'autoportraits, ce n'était pas un monsieur moche ou quoi. Je ne sais pas quel défaut il avait. Il donnait des tableaux au restaurant à des femmes. Une femme qu'il aimait beaucoup ne l'aimait pas. Il s'est coupé l'oreille, a tiré une enveloppe, il l'a envoyé à cette femme. Exactement. Il a même dessiné un portrait avec l'oreille coupée. Ça, c'est cher aussi. Mais aujourd'hui, après quelques temps, il s'est tiré une balle dans la tête, il est mort. Mais 2 ans après, Cézanne, Monet, Manet, ils l'ont reconnu, reconnaître si la bande rose avait un impressionnisme. Là, ils ont dit, waouh, mais il y a un peintre qui fait né comme ça. Ils ont commencé maintenant à chercher les œuvres de Van Gogh. Aujourd'hui, ceux qui en ont sont des millionnaires. Il n'en a pas vécu. Donc, comme je vous adresse à notre public, des artistes, même si ça ne marche pas de prime abord, continuez. Si c'est votre passion, continuez à faire. C'est un investissement long. Vous réussirez. On ne réussit pas facilement. Qu'on réussit facilement, et Zali n'a pas, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, continuez à travailler et la lumière est au bout du tunnel. Voilà. C'était le message d'un artiste. Voilà, mes chers téléspectateurs, pour vous reposer dans la ville de Kinshasa, vous avez une seule adresse, c'est l'hôtel Meriba, dans la commune de la Gombe, ici à Sosimat, un cadre idyllique. Et on se retrouve pour la dernière partie rapide de Entre nous, confiez-nous tout. A tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous, les clients heureux. Avec deux chambres et de luxe, deux appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service retard haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Gemena numéro 3. Cordial bienvenue. Confiez-nous tout. Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? Quand vous n'êtes pas en train de peindre. Hobbies, n'ayez-vous pas la langue et belle. Lire et lire. Lire votre dernier livre? La Bible. C'est un livre ou une? Ah non, ça bien sûr. C'est une bibliothèque. Oui. Un ensemble de livres. Mais c'est un livre. C'est un ensemble de connaissances. C'est toute une vie quoi. Ouais. Votre film préféré? Le film préféré de ma femme. Dites-moi. Ok, Scarface, Tony Montana. Oui, c'est pas la violence qu'il y a dedans. Non, c'est l'histoire même, c'est un classico. C'est comment il a commencé, comment il a fini, s'il avait bien joué son jeu, s'il avait bien marché dans sa conduite, il serait un grand, mais c'est dommage. Votre plat préféré? Soto bito kanga. Devine. Non, il est bandé. Makayabu accompagné de Napondu. Makayabu. Soto Fufuto. Fufu. Loso Bandeke. Wako ganoza na olu bawa ma babile ya Bandeke. Wewe le la loso kwa na kimukolo. Loso Fufu. Makayabu. Pondu. Misili. Dongo. Nga mikungu. Nga bilo wa buwala. Suka. Mungwa mingi te po makabu za adana mungwa. Alors, votre... Donnez-nous une qualité de chez vous au Miye Bakana. On a des défauts nos mots. Il est toujours difficile d'être à la fois sujet observant voilà et objet c'est observé. Critique. C'est pour cela que de faire. C'est pour cela que les autres ont un œil. Si, défaut nanga. Oyomi au Miye Bakana. Nasilga Anoki. Ma femme me dit tu t'énerves trop vite, mais na c'est pas méchant. Je m'énerve vite parce que je suis pas patient. Mais il y a pas de méchant dedans. D'accord. Ouais. Et voilà les qualités. Qualité, mon ami, je suis très social. D'accord. Et sociable. Voilà. Je suis un homme de paix et pacifiste aussi. Parce que Nazara na paix et je poursuis la paix. Nazara rancune. Nazara ennemi. À moins que
ça échappe à ma connaissance. Si j'entre dans votre voiture, ces trois derniers mois, quelle musique vous écoutez? Jean Goubal, Youssoufa, Gims, Tozo Kende, Lo Kwa Kanza. Et puis il y a un autre artiste de chez nous qu'on ne parle pas beaucoup. Jeff Kavanda, na monaki na Belgique, azas qu'on a Gatineau, to kutane na Montréal. Azana musique mo douce, na kendo yé baye na ndako ya moi si mo boya hollandaise. Ah puis c'est votre frère Jeff Kavanda. Je l'écoute aussi, mais ma femme aime beaucoup Gims. Oui, Gims a fait les stades de France avec un passeport congolais. Bien sûr. Nous devons en être fiers. Youssoufa azana, je pense passeport moussous français ou tout, mais il se proclame haut et fort d'être congolais. Et c'est surtout ça qui est le plus important. Tout n'est pas si on a dans la Côte d'Ivoire, mais il faut une la santé ivoirienne. Tu veux que mon peuple me tue? Donc il a des textes dans la Youssouf, dans la Gims, dans la Jean Goubal, dans la Lo Kwa Kanza, petit Nabisso Inosbi et tous les autres artistes congolais. Tout le monde. Mais on a des préférences. Ok. Voilà. Votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est sincèrement. De ne pas avoir fait mon voyage en Occident plus tôt. D'accord. Ou de ne pas être venu à l'Académie des Beaux-Arts plus tôt. Pour la 6e classe, on a travaillé pendant 5-7 ans après l'Académie. Si on a eu avant, on a eu ça, on a eu ça, c'est belé. Ça, c'est comme moi, les grands. Mais c'est quand même un grand courage de reprendre l'université 7 ans après, comme vous dites. Oui. Ça, il faut l'avoir. Oui. Et puis, bon, regret, c'est belé. Et puis, on a eu un retard. Ah, il y a un retard, donc il faut aller en avant. Mais c'est pas grave, j'ai une femme merveilleuse, je la connais. On en arrivera, tous les amis. Votre dernier numéro composé avant tout de l'émission, c'est Yann. Yayo. Oui, la Lula Libango. Si on avait. Tu es quelqu'un de. Pas une flatterie, moi je ne flatte pas les femmes, je leur dis la vérité. Tu es quelqu'un de vrai. Quand on te parle, tu dis. On allait faire l'émission, je pense, 3 ou 4 fois au reporter, mais tu me dis pourquoi. Et tu es bref, c'est tout. Tu ne cherches pas d'excuses, c'est ça. Bisous, comme Dana, ma mentalité est changée. Je comprends. Et puis, si je vais faire quelque chose, je te demande. Ouais. On n'est pas respect pour toi. Aussi. Alors, on a bien numéro à souk, on a bien gaillé. Si vous aviez une baguette magique, la minute, tu as malgré que tu as mis ce bandit, mais Nando, tu as quitté le lobby. Pelo, qu'est-ce que tu veux que je réalise pour toi là tout de suite maintenant, au Sengen? La longévité, l'éternité. C'est tout. Parce que comme nous on est croyants, Dieu nous promet la vie éternelle. Adam et Ève ont été créés pour vivre éternellement. Dieu a dit, il va enlever la mort. La mort est appelée dans la Bible le dernier ennemi de l'homme. Dans 1 Corinthiens 15, c'est autant bien que ta souk. Dernier ennemi de l'homme. Au Congo, on dit, mieux vaut ma bende liwa. Pourquoi ma bende liwa? Donc je peux supporter toutes les autres difficultés, na condamna, mais ma bende liwa. Parce que liwa, na niveau na biso bateau, ça nous dépasse. C'est clair. En fait, c'est quelque donc, chose qu'on ne connaît pas. Heureusement, Dieu nous permet et nous promet de l'enlever avec la garantie qu'il nous a donnée en résistant Jésus-Christ, en lui donnant le pouvoir de nous donner la vie éternelle, après sa grande éternité. Quel est le pays de vos rêves? Que vous aimeriez voir ou que vous n'avez pas encore vu. Voir, avez... voilà. Ouais. Merci. Ce n'est pas dans mes rêves. Parce que moi, j'aime vivre de mes souvenirs. Okay. Parce que les rêves, on restera toujours, on va vagabonder dans tes. Mieux vaut Japon. Japon. Mon ami Didier Mukendi, qui est à Londres, il a déjà visité. Il dit, mon cher, il faut visiter ça. Japon, il y a un peu de. Quelle est la voix qui vous manque le plus quand ça fait plus de 24 heures que vous ne l'avez pas entendue? Là, tu vas me faire pleurer. Pourquoi? Vous posez des questions très sensibles. Moi, c'est Nanga. J'ai habité 24 ans à Yébiété. Ça fait 14 ans qu'on est mariés. Mais Nabala, elle était à Glasgow. Moi, j'étais au Canada. Nabali a eu Canada. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Et puis, tant que tu as décidé de zone en Angleterre, son oncle Pichu Nsa Minzeni, Célio, Azagina, Bristol. Mes camarades, nous sommes sous Louise, Pilipili et Nyumbasio. Tu as décidé de revendre à Bristol. Mais quand j'ai fréquenté ma femme, Voanaye, c'était tendre. Oui, oui. Une voix douce comme ça. Il y a une voix autoritaire. On sent une femme douce, la métier. Donc, il y a une douceur impossible.
dosogi naza na craqué nanga atana ko soani se muke mais on a baigné na yogi kala era nanga dou moi nanga John na merveille mais c'est ma mère. Elle nous a quitté en 2004. Et quand je lui parlais, moi j'ai quitté le Congo en 96, 96. Tant qu'on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça, ça veut dire papa, ça, on a eu. Et puis voilà, le fait que je ne l'ai pas vu, son akanissier au fait, et ça n'a pas voilà. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Alors, du passage, c'est bien parce que vous avez dit à aujourd'hui, ça reste votre femme. J'aimerais préciser que sa femme, Claudine, à qui nous saluons, n'est tout autre que la célèbre artiste et vie danseuse AC Milan, que je salue d'ailleurs. Difficile d'être mariée à une star? Ça, sont des légendes de la musique congolaise. Quand on dit la musique congolaise dans son ensemble, c'est parce que à son rôle de danseuse, si on en cite 10, elle ne manquera pas. Au top de 5, encore moins. Difficile? Oui. Au début, parce que quand on la fréquente, quand les gens savent que Azo fréquenté AC Milan, ah bah taliboy, bah tu benga, oh talakaka, donc des préjugés. Mais moi je suis artiste, et les artistes, Nathalie, non, il ne faut pas voir les passés des gens, tout le monde a son passé. Okay. Il y a même, je ne veux pas dire que les danseuses, bah c'est ma bé, parce que Naora Conté Onini, il y a même une femme dans la Bible qui s'appelle Rahab, elle habitait à Jéricho. Oui, il y a une histoire, très, très bien. Tango. Bah Israël batindi espion bah ya kotala nini nani Caleb batindi espion bah ya kotala Josué pardon na Caleb bah ya ki chez pourquoi parce que ce mon père coach na mboka bah twanda okansaye pona ndomba c'est voilà il est prostitué là-bas bah voya bah coach chez Rahab bah yebise ki sont amrea balbia oui elle a eu foi toyoka mboka na bino makamunzamba sala bino na Égypte na mer rouge. Nous, on a peur de votre. S'il vous plaît, tant que vous détruisez Jéricho, vous kanisanga et vous protégez. Les espions lui ont dit benga tous ceux qui te sont chers qui viennent rester chez toi. Les gens sont venus, elle a appelé sa famille, Jéricho, armé à Caleb, Bandaro Salana, Nani. Ah, Caleb et Josué. Bandaro Salana tourne une fois chaque jour, et le septième jour, ils ont fait sept tours, après ils ont crié. Rahab et sa maison est restée debout avec tous les siens vivants sains et saufs. Lelo Oyo, ce que tu as dans la généalogie, il y a vie à Rahab, il y a vie à Jésus, pardon, qui est le Messie, Rahab à Zanakat. Donc Dieu va au-delà de la pensée humaine. Exactement. Ma femme, Nakishasa Awezara, les Congolais en général, tous les cachement auto tchaka ba danseuse. Comme ma comédienne, comme ma journaliste, comme ma télé, chacun est catégorisé. Surtout les femmes, Osaka, trop discriminées. Bah, moi, c'est des femmes faciles. Mais, natuna qui m'utumusu, yo soki Claudine Azaï, moi, danseuse, il y a Toloba, il y a Janet Jackson. C'est pas parce qu'ils sont danseuses, il y a Congolais, ah ouais, baza, basimo, il y a facile. Non. Nazana yé, depuis 14 ans, to Bali, to Botibana. Il y a un problème. Okay. Une femme propre qui fait la bonne cuisine, ba ninga na yé, ba zina bila, on a mona bango, ba rosette, ba oyaza, nono ba diamant. Mais ma petite sœur n'est encadrée ba nani ba Kadishon Kita na Montréal ma patience Ibembo ba oui bien Kadishon maman là mon Kita donc ba lamba rabi au commun ndé kuna bango propre oyo mususu nani ndeko ya Kishinjora nani aza na Paris oui le nom m'échappe mais oui ekoya elle va me tuer donc ba ça bien ba mususu ba Bali ba za na banda kuna bango ba ça bien c'est ça la difficulté. Mais moi, je l'ai, j'en suis fier. D'accord. C'est une très bonne femme, ça, le repousse en athée. Ok. Voilà, au moins le message était clair. Voilà. Donc, c'est la voix qui vous manque le plus. C'était un réel plaisir de vous avoir. Notre émission a touché à sa fin. J'aimerais rappeler à chacun que nous serons là, bien évidemment, à l'exposition du 24 juillet au 3 août pour vivre ces personnalités qu'il a mis en avant. Et c'est encore un honneur pour nous qu'à travers une femme, vous puissiez aussi être éduqué, que vous puissiez être informé, mais surtout que nous soyons représentés. Est-ce que vous auriez un dernier mot, ce qu'on doit retenir de vous, et bien évidemment des remerciements rapidement pour tout succès, Michel Nabissoyali? Aussi ça va remerciement d'abord notre directeur de l'Académie des Beaux-Arts Henri Calamand d'avoir apprécié cette opportunité.
Merci beaucoup, DG. Et puis, papa, oh, na maman, Bayami, Awa, François Poati, ma Vania, et puis na maman Alice, Marie. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, à ma femme, Claudine, entre guillemets, assez Milan, je t'aime beaucoup. Et puis, à la Sainte Ingrid Kabongo, merci beaucoup. Na opportunité ici, réalisateur, Nabiso Charlie, quand même. Nabiso Charlie, merci beaucoup. Et puis, Nazana. Maman Abisson à Glasgow, merci beaucoup. En tout cas, maman Jackie Louindoula, et puis notre petite sœur, Nana Linga Mingi, vraiment, Monique, moi ça papa Alain, merci en tout cas, Naba Onyonso Tolingi, Jean-Luc Kazadi, camarade moi à Boston, Alinga Mingi. Jean-Luc Kazadi, un gros bisou à toi, voilà. Et merci de nous suivre toujours sur Ingrid Kabongo TV. Azana, Nazara, na problème kaka Ingrid, ngwa lesa yo nini Jean-Luc. Azari pe awa kalate ma rozonga lesusu. Yeso na craqué nanga na zui voiture bou Boston 5 heures ya nzela, un garçon très bien, très cool. Et puis tous ceux qui me reconnaîtront na petit nanga tigana kiala na Marlène, vraiment na lingi bino mingi. Merci na ba conseil bozo pesa. Yetro kombo lelo to sorola ki. Merci. Ma réseau social est ali. Ma réseau social est ali. Je suis allé au Mingi. Je suis allé à Facebook. Je suis allé à Best Amiyu. Amiyu, je suis allé à Best Amiyu. Et puis, na Instagram, je suis allé à Debamiyu. Debamiyu. Na Instagram, na suis Mingi à Nante. Je suis allé à Mouxio. Après Expo, je suis allé à Mouxio. En tout cas, je suis allé à Batali. Numéro de téléphone, c'est un peu déjà. En tout cas, vous allez bien. Bino non sona lingi bino mingi ceux qui me reconnaîtront noko ya non maman le qui a moi si nanga azana na Paris na mboka moko ville du bois na banlieue parisienne toi tu es parisienne auto vous avez drame moko il a perdu son mari na ba covid minga to na benga américain en tout cas azaki top affecté moi na na joueur makengo azali na ni na France à qu'est-ce qu'au Italie toi maman je voulais un message personnalisé. Zala makasi maman, nzambe alaki biso résurrection, toko mona ba, o nyonso batika biso to zana. Yo zala makasi, tes enfants ont besoin de toi. Si tu te plonges trop dans la tristesse, c'est qu'on crée ba maladie mususu, on veut pas ça, on veut t'avoir en bonne santé. Merci pena noko malenga na noko Robert, noko malenga place to komela na Evry. OK, d'accord. Alors que bon 65 ans 65 Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des chambres de salon. Okay. Tu imagines à Paris, tu as fait des chambres de salon. C'est vrai que c'est un peu plus tard. Mon Kenaye. En tout cas, oncle, merci beaucoup. Je vais te faire un message. Merci. Papa Bamba, professeur Bamba, Zagi, à l'université. Il fut aussi un ancien ministre de l'éducation, je pense, supérieur universitaire à l'époque à Mobutu. Na et te rappeler bah, surtout qu'il est 24 et bazanga te na maman, na maman Bernadette Bamba na bana bango bon maman Gertrude Annie Dina et tout le monde merci beaucoup Anita Stragen le 24 juillet samedi yokaka les autres là jeudi samedi. Vendredi samedi vous n'avez pas beaucoup de temps botam ou sa message na baninga nyonso ba yebinga o bazana kini batala na nos émissions na biso entre nous voilà on est entre nous là sur et puis Bayawa web télévision ça va se poursuivre jusqu'au 3 août. Donc le 24 c'est de 15h à 18h et puis du 25 jusqu'au 3 août de 10h à 18h venez nombreux. Guy Moboti mon ami qui travaille beaucoup avec moi, Gauthier Boissa, vraiment soyez là et soyez présents. Merci à vous. Donc merci à notre artiste que nous avons reçu. C'était un réel plaisir d'avoir un artiste peintre. Vous voyez qu'on en apprend tous les jours. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Charlie Kanga pour ces images. Vous êtes sur Congo Web Télévision et sur Ingrid Kabongo TV. Continuez de vous abonner. Merci à vous tous et tous nos réseaux, bien évidemment. On tient à remercier ou plutôt à féliciter alors le couple Tchabola de ma co à moi privée, Violette, qui est devenue Madame Tchabola. Un gros bisou à vous. Félicitations pour le mariage qui a eu lieu à Paris. C'était un réel, réel plaisir. D'ailleurs, vous voyez le couple s'afficher ici. C'est Marco. Voilà pourquoi j'en parle. Mais malgré tout, elle a voulu nous voler la vedette. On est là, Bumba, avec les Mapasawa Boteli Bisso. Un gros bisou à mes deux petites douceurs. Et à son couple, bien évidemment, elle et son mari, Patrick aussi. Et merci surtout. Nous avons eu un décès très récemment. La perte d'une personne qui était chère pour nous tous, le docteur Tchamala, que vous connaissez tous.
à Bandal. Il nous a quittés et d'ailleurs ce dimanche aura bien évidemment lieu l'enterrement. Mais ce samedi aussi, nous serons là-bas à partir après le vernissage Mbalamoko Tokeipuna pour essayer de pleurer avec ceux qui sont là, surtout pour ne pas oublier ma maman Lucie qui en souffre encore. Mais comme on dit, les bonnes personnes... C'est le temps de Dieu, c'est tout ce qu'on pourra dire. Voilà, vous tous, restez connectés, restez branchés. Un gros bisou à toi, Karina Ouchaï. Vous êtes dans le décor de Meriba, donc un gros bisou à vous tous qui nous suivez. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la sainte Ingrid Kabongo et Pelo Lemba, restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Ciao, ciao.